Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes sur la rivière. Ça m'avait beaucoup manqué, donc nous sommes sur la Charente. Nous sommes dimanche 7 mai. Il est précisément 7h21 et ça fait bien une vingtaine de minutes que ça pêche. Donc j'ai sorti mes vieilles petites cannes de 10 pieds. Avec une petite partie télescopique, elles sont compactes et faciles à transporter. J'ai même ressorti mes vieux moulinets Daiwa Emblem 5000T. Et puis d'ailleurs, bientôt, je vais mettre de nouveaux moulinets que je recherchais depuis bien longtemps. Et je suis vraiment heureux de les avoir trouvés. Donc je vous montrerai ça beaucoup plus tard. Donc aujourd'hui, je pêche à l'aide de deux cannes. Donc une pêche simple sur ma bordure, donc juste dans la cassure, dans une profondeur d'environ 2 mètres sur chaque spot. Donc j'ai mis une canne en fait à gauche sur la bordure juste après la plongée des nénuphars, et pareil pour la canne de droite. Donc pour la bille, j'ai choisi la Indian Space en 15 mm de chez Fireball, donc c'est une bille à base de curry et avec de la Tiger, c'est tout, pas plus. Donc j'ai fait un montage simple, flou carbone avec aux cheveux. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre le montage. Enfin bon, c'est relativement simple. Et puis voilà, donc j'ai mis deux petites pelletées sur chaque spot. Donc j'ai pas préamorcé, donc je suis... parce que ça me fait un petit trajet quand même. Mais bon, il n'y a pas de raison, parce que je sais qu'il y a quand même un beau cheptel de poissons ici. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si je retrouve quelques photos que j'avais fait il y a quelques années. Ouais. C'était juste après le Covid d'ailleurs, quand on en pouvait ressortir. Et donc, au niveau de la météo, donc il fait actuellement 13 degrés. Ils ont prévu des températures max 21 degrés, pardon. Ils ont prévu quelques petites averses, mais bon, ça devrait aller. Et pour ce qui est de la pression atmosphérique, elle est à 1018 hectopascal. Donc on va bien voir ce que ça donne, cette fois-ci, sur la rivière. Donc s'il y a des news, je vous reprends. Bon allez, à tal. Donc là, il est 8h. Sur la canne de gauche, j'enregistre quelques petites tapes, donc ça doit être des blancs qui doivent taper dedans. Donc j'ai bon espoir. Après, c'est vrai que j'ai pas pu faire un préamorçage. Je suis parti sur un coup de tête pour la rivière, donc comment faire compliqué. J'aime bien quand c'est compliqué. Donc ouais, pour donc je pêche en fait. Pour ce qui concerne la canne et puis pour les matériaux en fait. Donc en fait je pêche en presse en 28 centièmes et j'ai fait une arrachée de 50 livres, hein, sur en fait je fais à peu près l'équivalent de trois tours de moulinet en fait. Donc ça me fait une arrachée à peu près d'environ 6 bons mètres en fait. Ça tape un petit peu. Et ensuite j'ai mis un clip plomb classique avec un plomb de 130 grammes, un plomb plat, donc qui se plaque bien au fond. Un bas de ligne d'environ 20 cm, donc enflé au carbone, rigide. Pourquoi rigide? Pour éviter que là il y a des blancs qui titillent dedans, pour éviter l'emmêlage du bas de ligne. Et avec un cheveu souple que je relie autour de la rampe de l'absence en fait. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Ouais. Et donc je prends des hameçons à ouverture très large. Voilà, en taille numéro 4, l'hameçon. Voilà. Donc de toute façon je reste jusqu'à environ 16h. Je pensais, et en plus ils ont prévu de la pluie aujourd'hui,
Je vois que la météo change un petit peu encore. Donc je pensais avoir pris mon kawé, mais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai préparé une autre petite bagagerie pour faire que de la rivière. Donc cette année, j'aimerais essayer d'en faire un petit peu plus que d'habitude. Quand même. Ce serait que j'aime beaucoup cette petite pêche. Comme je vous l'ai dit, l'amorçage, c'est basique. Hein. Donc j'avais mis Tiger Nut, donc j'avais mis environ, pour ma partie de pêche aujourd'hui, donc il y a environ 1 kg de Tiger. Et j'ai mis 1 kg de billes, donc 500 g coupées en deux et 500 g entières, donc en billes de 15. Donc il ne faut pas avoir peur de pêcher en petites billes en rivière. Hein. Bon, après, si un nuisible veut le prendre, un blanc veut le prendre, que ce soit un chevesne ou un brême, 20 ou 15, il la prendra quoi qu'il arrive. Hein. Après, peut-être que c'est plus sélectif les grosses billes. Je sais pas. Je sais pas trop. Je me suis équipé donc deux petits boulinets que je me suis acheté en promotion à Pacific Pêche, juste pour faire de la rivière. Hein, donc je me suis pas ruiné. Donc c'est des anciens modèles en fait qui bradent en fait en ce moment. En tout cas, ça me fait du bien de retourner sur cette rivière parce que ma dernière pêche ici remonte après le Covid. Enfin, c'était pendant le Covid, pardon. C'était quand ils avaient commencé à pouvoir reprendre un peu les activités à l'extérieur. Et je me rappelle, je suis venu ici parce que je m'étais dit il va y avoir blindé de monde sur les plans d'eau. Donc je vais me rabattre sur la rivière. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais fait commune le premier jour. Et le lendemain, je suis revenu. Et là, j'avais fait deux communes et une belle miroir qui faisait environ 15 ou 14, 15, un truc comme ça. Mon petit record personnel en rivière d'ailleurs, qui est ici. Donc ouais, il y a quand même pas mal d'activités. Hein. Il y a un petit courant léger, donc ça va. C'est largement pêchable et agréable. Et puis voilà, donc bien écoutez, j'espère attraper un petit poisson, vous en présenter un, j'espère. Et puis donc je vous reprends après. Je suis dégoûté. J'enregistre mon premier départ vers 9h moins le quart. J'étais en train de me promener un peu plus loin pour regarder un petit peu l'activité. Et là j'entends mon détecteur, j'arrive à part. Je prends contact, paf, ça se décroche. Donc du coup ce que j'ai fait, je sais pas du tout comment elle s'est piquée. J'ai pris un bas de ligne un peu plus court, donc j'ai changé. On va bien voir ce que ça donne. Oh, je suis dégoûté. Quand je suis dégoûté, mon premier départ de rivière de l'année et je la décroche. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Je viens de retendre la ligne là pour amorcer. En espérant qu'elle n'a pas quitté la zone. Putain, je suis dégoûté quand. Bon, on verra bien. Bon, allez. Une petite tape. Bon, j'ai bon espoir. En tous les cas, il y a pas mal d'activité sur la gauche. Par contre, à droite, c'est quasiment le néon. Donc, je vais essayer de voir pour l'orienter ailleurs, peut-être. On va essayer de voir ça. Bon, allez, je vous reprends s'il y a des news. Bon, allez, à tout à l'heure.
j'ai réorienté ma canne de droite puisque de derrière, donc je l'ai mis un petit peu plus loin au pied de l'arbre. Donc on verra bien. Bon allez. Donc là, on peut voir qu'il y a une belle petite averse. Je n'ai pas pris d'abri. Je suis sous un arbre qui me protège un petit peu. Et j'en profite pour filmer un petit peu au loin. Et du coup, il est 11h30 passé. Là, je n'ai toujours rien enregistré. Depuis mon premier départ vers 8h45. Donc là, ça flotte bien. Pouvoir faire un autre départ. Du coup, j'étais obligé d'enlever la caméra pour filmer les départs en direct à cause de l'eau là. Donc s'il y a départ sous l'eau, il n'y aura pas de vidéo. Donc là, je vais protéger mes caméras en attendant là que ça se calme un petit peu, cette petite averse. Et puis je vous reprends après. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà, après la pluie, voici le beau temps. Donc ça va beaucoup mieux là, c'est plus agréable. Le soleil me réchauffe un petit peu. Et je vais vous montrer le montage qui m'a permis de décrocher mon poisson. Non, je rigole. C'est un montage qui marche plutôt bien en règle générale. Très très simple. En fait, c'est un hameçon type clos. Donc je vous dis pas la marque, mais je pense que vous avez deviné laquelle marque c'est. Donc, en taille 4. Avec un cheveu souple pour pouvoir mieux écher les billes et pour avoir plus de souplesse. Et là, le reste tout en fluocarbone avec un petit anti-tangle pour protéger la boucle. Et puis voilà, donc c'est plutôt un montage qui réussit plutôt pas mal en rivière. Donc pourquoi en fluocarbone? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter que quand il y a tous les blancs là qui titillent sur les appâts, qui me mélangent tout le fil et qui me tricote. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du fil rigide type fluocarbone qui en plus est très discret. Donc je suis toujours à l'attente d'un départ, mais j'ai l'impression d'avoir loupé le coach. Quel idiot. J'espère qu'ils n'ont pas quitté la zone. Et puis de toute façon je reste là pour la journée. De toute façon je dois partir vers 17h. D'ailleurs sur ce secteur, ce qui est bien dommage, c'est que la pêche de nuit n'est pas autorisée sur ce secteur là. Enfin c'est très agréable de pouvoir revenir sur cette belle petite rivière. Bon ben si y a des news, ben je vous reprends. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est bientôt 16h, donc j'ai absolument rien depuis mon départ vers 8h45, absolument rien. Et d'ailleurs l'activité s'est vraiment un peu éteinte. Ce matin c'était impressionnant comme ça, le blanc, les quelques carnassiers qui chassaient, quelques carpes qui ont été un petit peu aussi. C'est dommage que je ne puisse pas rester le soir parce que j'aurais bien essayé un petit coup du soir. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon je pense que je vais revenir pour me rattraper et essayer d'en attraper une. Donc bah écoutez, il me reste encore une heure de pêche et puis si j'ai des news, je vous dis ce qu'il en est. Bon allez, à tal. Donc je suis sur le chemin du retour, donc rien du tout. Malheureusement, ce départ à 8h45,
il me laisse de marbre là. Je pense que je vais y retourner et je pense que les prochaines vidéos ce sera encore sur cette rivière. Donc je n'ai pas dit mon dernier mot, donc je vais revenir. Donc en attendant, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura fait plaisir. Et donc je tiens à vous remercier aussi pour tout like et commentaire, pour tout votre soutien, pardon. Et puis pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, alors si le contenu te plaît, alors n'hésite pas à liker, mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis moi en attendant, je vous dis à jeudi prochain et surtout bonne pêche.